Il y a deux i, vous mettez un petit caillou sur le i ou un coquillage. Comme ça on va. 2017. Hein. Vous pouvez mettre des cailloux partout où c'est écrit. Regardez, je vous ramène des coquillages. Le E et le L de l'école. Si vous montez des coquillages, je suis là. Oh, tu veux m'en passer? J'ai gardé. Le geste de mer, c'est tout simplement ce que laisse la mer lorsqu'elle descend. Elle est montée jusque-là. Elle est repartie, elle a laissé des choses. Et ces choses qui restent sur la plage, elles sont importantes car certains animaux vont s'en nourrir. Donc il ne faut pas l'enlever. Donc, vous allez devoir, sur cette plage de mer, ici, hein, chercher certaines choses. Chaque reste d'être vivant que vous trouverez vous rapportera un point. Vous allez trouver ce qu'on appelle des œufs de bulot. C'est des œufs blancs comme ça. Là, j'ai pris tout. Alors, on a trouvé ça. Une huître. Yes. On a trouvé une algue sèche. On a trouvé une. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas dans le truc. Mais si, c'est dans le truc. Mais non, c'est pas dans le truc. Et moi, je cherche un œuf doré. Et vous en trouverez sur l'île de Ré. Je sais pas choisir, en tout cas, je sais que l'Idex a beaucoup plus de végétation qu'il doré. On reviendra avec vos parents sur l'Idex. Ah, oui, parce que l'île doré, en végétation, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils mettent que des bâtiments, mais presque que des bâtiments. Moi je mets le 2. Ah oui. Par contre, à l'Idex, il y a beaucoup plus de plages qu'à l'île doré. J'aime bien toutes les deux, mais j'aurais bien aimé rester plus longtemps à l'Idex parce qu'une nuit, c'était pas beaucoup. Pauline, elle en veut un. Même moi aussi, je trouve qu'il y a plus de plages ici qu'à l'île doré. Il y a des chemins pour faire des marches. Redonne-moi mes gâteaux, Raphaël. Le temps il est passé super vite. Est-ce qu'il y a des... Cette nuit on a fait presque une nuit blanche. On s'est endormi à 1h du matin. On s'est endormi à 1h du matin. La petite randonnée qu'on a fait aujourd'hui, là, les photos en fait. C'est pas une petite randonnée, ça, c'est un chemin pour aller. J'ai tout aimé. J'ai aimé la randonnée sur le texte. J'ai aimé le randonnée. L'île dorée, après, il peut rendre sur l'île d'Aix. L'île d'Aix est plus petite que l'île dorée. L'île dorée, qu'est-ce que c'est là où j'habite? Là, on est sur l'île d'Aix. Je préfère l'île dorée parce que c'est où j'habite. Il y a mes parents et ma famille. Et à chaque fois que je suis un copain, je pleure parce que je veux ma maman. Même cette fois-ci. Mais je préfère quand même l'île dorée. Moi, je sais que tu préfères. Je préfère encore un peu l'île d'Aix parce que l'île d'Aix, c'est comme moi. Peut-être que je n'ai l'île dorée, mais l'île d'Aix, bah, c'est bien. En plus, ça a plus de plage. On peut marcher quand on veut. Si, mais là, on peut faire une longue randonnée. Il y a beaucoup plus de végétation. Mais non, mais les randonnées, tu peux en faire une encore plus longue à l'île dorée. Vous avez envie de ce qu'il y avait. Le parcours en workshop. On jette le maximum. C'était. En fait, ouais, tu avais un plan avec des petites cases où il y avait des directions, des flèches
et tu devais suivre. Par exemple, il y avait tourner à droite, tourner à gauche, continuer tout droit, n'aller pas à droite, à gauche. Et puis surtout, ce que j'ai aimé, c'était qu'on allait un peu partout dans la forêt. Voilà. Voyageurs, pour commencer bientôt.